Akili, 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 Akili. Aujourd'hui, Akili a décidé de faire un dessin d'elle-même. Elle a dessiné une tête ronde, deux jolis yeux, un nez, une bouche et deux petites oreilles. Maintenant, Akili est très fatiguée. Il est temps pour Akili de ranger ses crayons et d'aller dormir. Bonne nuit, Akili. Oh, wow! Akili est à La La Land. Elle s'est réveillée sous un vieux grand arbre. Wow! Ça doit être Mr. Tree, le plus vieil arbre à La La Land. Mr. Tree est endormi. Whoop-de-doo! Hello, Akili! Ah ah! Ce sont les amis d'Akili, Little Hello, Lion Little Lion et Bush Hello, Baby. Bush Baby! Mr. Tree se Hello. Réveille. I'm Mr. Tree. Who are you? Et que doit dire Akili? I am Akili. I am Akili. Who are you? I am Akili. Nice to meet you. Oh, nice to meet you, Akili. Oh, Mr. Tree est si vieux. Il n'entend pas très bien. Oui. Dis salut à Mr. Tree. Hello, Mr. Tree. Mr. Tree est le plus vieil arbre de tout La La Land. Il est magique, mais pour garder sa magie, Mr. Tree doit boire de l'eau de la source magique. Mais la source magique est dans un endroit secret. Peux-tu aider Akili à le trouver et à rapporter un peu d'eau pour Mr. Tree? Yes! Wow! Mr. Tree a un cahier spécial qui leur dira comment trouver l'eau de la source magique. Little Lion regarde dans le cahier pour trouver le premier indice. Le cahier dit que la source magique se trouve dans un endroit tellement magnifique parce qu'il est entouré de fleurs. Nose? En anglais, nez se dit nose. Peux-tu dire nose? Nose! Yes! One nose! Nose! Tu as utilisé ton gros nez pour les conduire au terrain rempli de jolies fleurs qui sentent bon. Mais le terrain est très grand. Nous avons besoin d'un autre indice pour trouver la source magique. Let's see. Le cahier dit que la source est dans un endroit où les fleurs sont brillantes, rouges éclatantes. Oh, une girafe. Wow, big eyes. En anglais, les yeux, c'est eyes. Elle peut t'aider à trouver les fleurs rouges. Eyes, two eyes. Merci, girafe, d'avoir utilisé tes grands yeux pour trouver l'endroit avec des fleurs rouges. Mais l'endroit est encore si grand. Nous avons besoin d'un autre indice. Aha! Le prochain indice, c'est d'aller dans un champ où les oiseaux chantent. Nous avons besoin de bonnes oreilles. Ears! Ears? Nous utilisons nos oreilles pour entendre.
Akili et ses amis ont besoin de quelqu'un avec de bonnes oreilles pour qu'ils puissent entendre les petits oiseaux chanter. Je me demande qui a de bonnes oreilles qui peuvent aider. Les oreilles en anglais se disent ears. Ears. C'est ça, Akili. Et combien d'oreilles as-tu sur ta tête? Réponds en anglais. Two ears. Utilisons nos oreilles pour écouter les oiseaux. Éléphant. Mais il y a deux champs avec beaucoup d'oiseaux. Lequel est-ce que ça pourrait être? Donne-nous le dernier indice, Little Lion. OK. Le cahier dit qu'ils doivent trouver le champ avec les plus délicieux fruits. Mais les fruits sont très difficiles à ouvrir. A strong mouth. Mouth? Ils ont besoin de quelqu'un avec une très 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 forte et grande bouche pour les aider à ouvrir les fruits. Mouth. Look, big mouth. Oh, c'est un crocodile. Et elle a une très grande bouche. Elle peut nous aider à ouvrir et à goûter les fruits. Peux-tu goûter les fruits? Yuck! Oh, ça doit être le mauvais fruit. Le fruit a un si mauvais goût. L'autre champ a des fruits qui sont tellement délicieux. Yummy! C'est le bon champ. Akili va en bas du champ pour trouver la pompe magique. Wow! Akili prend une grande feuille du champ pour puiser de l'eau à ramener à Mr. Tree. Il sera tellement content. Maintenant, Mr. Tree peut boire l'eau de la pompe magique. La maman d'Akili. Il est temps pour Akili de rentrer à la maison. Mother! Allons à l'arc-en-ciel. Let's go to the rainbow! Tu as raison, Akili. Tu dois trouver l'arc-en-ciel afin de rentrer et retrouver ta maman à la maison. Ils ont trouvé l'arc-en-ciel. Oh! Il y a quelqu'un qui les attend sûrement. Il veut qu'Akili dise tous les mots qu'elle a appris aujourd'hui en anglais. Hey! Comment se dit yeux en anglais? Eyes! Two eyes! Eyes! Maintenant, le visage a deux yeux. Le visage a encore besoin de quelque chose au milieu qu'on utilise pour sentir. Te souviens-tu de comment ça s'appelle? Nose! Nose! One nose! Nose!
Beau travail, Akili. Maintenant, il y a un nez qui se dit « nose » en anglais, mais il lui faut aussi quelque chose pour entendre la voix des oiseaux. Te souviens-tu de ce qu'on utilise pour entendre? Maintenant, le visage a besoin de quelque chose d'autre pour boire de l'eau et pour manger de délicieux fruits. Peux-tu aider Akili à dire le mot « bouche » en anglais? Mouth! One mouth! Beau travail! Le nuage s'en est allé. Maintenant, Akili peut rentrer à la maison retrouver sa mère. Dis au revoir à tes amis. Bye, friends! Bye, Akili! Maintenant, il est temps pour Akili de commencer sa journée. Elle va se laver le visage et se souvenir des mots qu'elle a appris à La La Land. One nose, two eyes, two ears, one mouth. Mais la nuit, quand elle va au lit, une toute nouvelle aventure l'attend.